J'ai part en vacances pendant un an et le monde part en sucette. Ah, voilà ce qui se passe quand on laisse penultimo à la barre. Bien que ce ne soit pas complètement sa faute. Les prétendues superpuissances sont sûrement à blâmer, elles aussi. Et voilà qu'une crise mondiale se profile à l'horizon. Des guerres et des conflits partout dans le monde. Des émeutes et des manifestations en Europe. Des bourses au bord de l'effondrement. Des banques sur la route de la banqueroute. Et pour couronner le tout, une pénurie alimentaire. C'est la fin du monde tel que nous le connaissons. Il est temps que j'intervienne pour mettre fin à la crise. D'abord, Tropico, ensuite, le monde. Dans un monde qui s'enfonce, nous regardons vers le haut. Tout le monde pense qu'il faut être prudent. Voyez dit que l'heure de l'action a sonné. Rêvez avec moi, citoyen du monde. Vos rêves doivent être grands. Dieu merci, vous êtes là, Présidente. Nous faisons face à une crise que même moi, votre conseiller le plus dévoué, il ne peut pas résoudre. Et j'en profite pour vous rappeler que nous avons un standard ouvert 24h sur 24 pour toute réclamation musicale ou écologique. Pour les réclamations politiques, allez voir directement les soldats devant le palais présidentiel. Ici Ceni et Penultimo. Vous écoutez TNT. Para escuchar, y si tú no me la bailas, la rumba no canto más. Oye, si no quieren guarachear, mira, si no quieren disfrutar, rumba, rumba, rumba. Vous vous souvenez sûrement de moi, Président. Regardez les nouvelles, Présidente.
confundas. Que el sabor de la banda de Ale Torre no la encuentra en una funda. Rumba, 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 rumba. Baila rumba. Agent Sacha, je suis heureuse que vous ayez pu quitter votre bunker ultra secret en Russie pour vous joindre à nous. J'ai toujours voulu savoir comment vous faisiez autant briller vos cheveux. C'est un honneur d'être ici, camarade Sonny, aux côtés de mes frères tropiciens pour assurer la prospérité du communisme sur l'île. Oui, oui, c'est formidable, mais j'insiste. Dites-moi comment faire pour avoir de beaux cheveux. Présidente, les ouvriers ont organisé une série de grèves et de... Et maintenant, un message sincère pour les grévistes. Je sais que vos vies sont difficiles, mais pensez un peu à celle du président. Ne jamais gagner de salaire. Ne jamais partir en vacances. Ne jamais pouvoir faire grève. Parce que sinon, je vous demande bien ce qui arriverait à Topico. Vous vous souvenez sûrement de moi, présidente. Thank you.
Peace and love, Presidente. La nuit dernière, je parlais avec Dieu. Et je ne crois pas qu'il était content de vous. Vous ne lui rendez pas grâce comme il convient. Changez votre cœur, mes frères, avant que Dieu, comme en Égypte, ne change le rhum de Tropico en eau. Il y a là une opportunité qui... Chers auditeurs, c'est une véritable tragédie. Oui, en raison de nos fuites, nous perdons du pétrole à chaque seconde. Vous êtes si insensible, Penultimo.
Pensez un peu à l'agonie des poissons, aux plages noires comme une âme de banquier, aux dégâts irrémédiables dans notre écosystème. Ne vous en faites pas, Sunny. Nos experts ont conçu un plan pour contenir les désastres en utilisant des balles de golf. Et maintenant, place à la musique. Camarade Presidente, un article publié. Être la plus grande nation. Notre sujet du jour, le logement. Vous ne trouvez pas qu'il y a trop de sans-abri sur l'île, Penultimo? Des sans-abri? S'il n'y en avait, ne serait-ce qu'une seule à Tropico, j'irais moi-même lui construire une cabane. Oui, enfin, vivre dans une cabane... C'est une maison comme une autre, Sonny. Tant que nous restons fidèles à notre présidente, les cabanes finiront bien par devenir des villas, non? Ouais.
Essayez les céréales du président, complètement naturelles. Et pour éviter que votre chat ne vous les vole, il meurt s'il en mange. Aucune céréale ne sera jamais assez naturelle. La marque Presidente, hein? Pourquoi pas? Eh, Presidente est si populaire que tout ce qui porte son nom se bat. Jolie journée, hein? Je m'excuse de ne pas avoir transmis ce message urgent plus tôt. Les coffres de Tropico sont vides. Penultimo, comment est la situation pour nous? C'est la faute des riches. Il suffirait de partager les richesses. Presidente, la Chine va exécuter. Presidente, que les mille. Regardez cet article, Presidente. Il est amusant. Selon un récent sondage, Tropico serait l'endroit le plus dangereux à vivre pendant l'apocalypse, tandis que Madagascar. Thank you.
Che occorre? Presidente, le tropichie. Fier nation de Tropico, c'est l'arrivée prochaine des élections qui me fait intervenir aujourd'hui. Notre objectif est à portée de main. Nous allons triompher, mais au prix d'un dernier effort. Oui, il y a des problèmes. Il y en aura toujours, notamment dans un climat de crise économique. Le manque de prêtres, dont j'entends parler depuis peu, en fait partie. Mais tout sera résolu, comme pour les autres, quand la situation économique se stabilisera. Depuis que je suis président, j'ai bénéficié de votre gratitude, mes chers compañeros. Je ne suis hélas que votre humble serviteur, et vous êtes mes maîtres, mes employeurs. L'heure est donc venue pour moi de remercier chaleureusement les écologistes qui protègent chaque jour notre île paradisiaque. Notre nation revient de loin, mais nous avons encore beaucoup à faire pour atteindre nos objectifs. Lors de mon prochain mandat, je m'assurerai en personne de la réduction de la pollution sur l'île. Que Dieu vous bénisse. Mon cher presidente, le Iurde. Suite aux célébrations de notre victoire écrasante sur l'opposition, el presidente partira pour les États-Unis afin d'y donner un discours sur la liberté de vote et l'importance de la démocratie pour une société durable. Ensuite, notre leader se rendra en Suisse. Thank you.
Buena tarde. Une occasion en or se présente à nous, Presidente. La moitié de Tropico est convaincue que la fin du monde... Très cher président. Presidente, nos vieux appartements sont une insulte au panorama de notre... Tropico Summit ouvert! Un nouveau programme lancé par le président va faire chuter la pollution en coupant le courant de certains bâtiments de façon aléatoire. Le verre se bat. Je trouve tip-top que la... Les rumeurs d'apocalypse. Camarade, j'ai une tâche. Yeah.
Presidente, une chose étonnante est arrivée. La mère nature est heureuse. Presidente. Les véritables drames, mêlés de comédies et de tragédies, est bien présent à Tropico. C'est bien vrai. Je ne pensais pas que vous parleriez un jour librement du règne d'El Presidente. En effet, les billets pour notre nouveau théâtre ont encore baissé. Qu'est-ce que vous disiez, Sally? Moi? Oh, rien. Ambassadeur Crane, je suis sûre que les auditeurs meurent d'envie de connaître la réponse à cette question. Quel est votre animal préféré? Eh bien écoutez, Madame Flowers, je dois vous avouer qu'à mon arrivée sur cette île, je me suis immédiatement pris de passion pour les lamas. Oui, ils me font penser à ma mère. Oh, les lamas? Moi j'ai horreur des lamas, ils vous crachent dessus. Voilà, comme ma mère. Presidente. Félicitations pour avoir réussi à...
en travesuras de la vida. En lo mucho que te amaba y en lo mucho que te quería, no me explico ni cómo nuestro amor. Tú lo fingías, una relación que yo amaba, llena de sabor, llena de mentiras. Y ahora que lo sé, ya no te quiero. Te quise con locura, no lo niego. Fingías el amor, engañadora. Marcharte de mi vida, por favor. Hemos ya terminado, sabré vivir sin nuestro amor. Manchaste mis esperanzas, le echaste frío al calor. Si te encuentras a otro, acuérdate. Dirigeant lointain, le puissant dragon chinois.
C'est une bien belle prison que vous avez construite, Presidente. Vous pouvez compter sur moi. Nous avons désormais un Christ officiel pour veiller sur nous. Tant de spiritualité me bouleverse. Alors, n'oubliez pas désormais, amigos. Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Presidente, des milliers de salutations. Formidable, Presidente! Les palais présidentiels... Cette fois, la coupe est pleine, Presidente. Un navire prison rempli de criminels dangereux est actuellement en route vers votre île. Vous avez pour ordre de les naturaliser. Bonne nouvelle, Presidente. Ce n'est pas les lupus. Nous sommes pris dans une spirale infernale, Presidente. Que necesitas? No me interesa. Ajá. Buenas tardes. Presidente. Les tropiquiens. Muy buena. Ajá. Muy buena. Thank you.
Citoyens, soutenez tous nos grands garçons avec leurs masques. C'est déjà Mardi Gras? Non, Sonny, c'est le nouvel escadron de la mort. Quoi? Le nouvel escadron de la peur. Je voulais dire le nouvel escadron de la peur. Che occorre? Che? Je n'ai jamais vu autant de gens sourire dans la rue. Si. Un peu comme si toutes les belles-mères de l'île avaient disparu en même temps. Mon cher Presidente, che? Sì? Buono dia. Excelencia. ¿Qué ocurre? Parfois, il est l'imprès. Par les sables du désert.
La trésorerie est vide, présidente. Il y a une idée. Imprimons des billets de banque. Tous les pays foutés font comme ça. Quelqu'un peut m'expliquer ce que fabriquent ces créatures sur notre île? Du balai, sale bête! Il y en a un qui m'a mordu tout à l'heure. Oh, vous voulez parler de ces chameaux? C'est un dignitaire étranger qui nous les envoie, en témoignage de la bonne entente entre nos pays. Vénérable auditeur de Radio Tente, je suis heureux de vous annoncer que la Chine a décidé d'accorder le titre d'honorable partenaire commercial à Tropico et à son éminent chef, El Presidente. Longue vie à l'amitié entre nos peuples. Nous sommes sur la bonne voie, Presidente. D'après mes graphiques, nous devrions continuer à exporter des biens industriels de qualité, car l'économie mondiale sera...
noble dirigeant. J'ai mis fin à la crise tropicaine, en dépit de l'aide de Van Hoof, qui m'a constamment mis des bâtons dans les roues. Une fois de plus, Brunhilde Van Hoof s'est opposée à moi. Une fois encore, je lui ai claqué la mouille. Elle devrait avoir compris qu'on ne lutte pas contre le présidente. S'opposer ainsi à un de mes plus vieux ennemis fut amusa, mais bizarre. La mère Van Hoof est assez intelligente pour savoir qu'elle n'avait aucune chance contre moi. Elle a peut-être été aidée par un allié invisible. Ou peut-être a-t-elle seulement servi de diversion. Ce qui compte, c'est que l'économie de Tropico est de nouveau sur les rails. Je peux passer à la vitesse supérieure. Thank you.